Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Bienvenue à tous et à toutes. Permettez-moi de rappeler quelques consignes recommandées en ce moment pour ce culte et pour les autres cultes également. Si vous ne faites pas partie du même foyer que votre voisin, alors merci de vous déplacer et de laisser une chaise vide à vos côtés. Merci de garder votre masque pendant toute la durée du culte, y compris pendant les chants. Et à la fin du service, merci de laisser les cantiques à votre place. Prions. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Réunissons-nous dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret liturgique inséré au début du psautier français. Et nous chanterons « Bénissons Dieu, le seul sauveur ». Je vous invite à vous lever. Te louons, Seigneur, parce que tu fais pour nous des choses impossibles. Tu nous offres par la présence de ton Fils le meilleur de toi-même pour donner un sens à notre vie. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous appelles à vivre avec toi chaque jour de cette nouvelle semaine. Nous te louons parce que tu nous as dit « Tout est possible à celui qui croit ». Oui, Seigneur, nous te louons et de tout notre cœur, nous t'appelons. Viens mettre ton impossible là où nous n'attendons plus rien. Donne-nous d'aimer encore là où notre cœur est devenu froid. Donne-nous d'espérer encore là où nous sommes déçus ou résignés. Donne-nous de croire encore là où nous sommes gagnés par le doute. Ô Dieu d'amour, viens mettre ton impossible dans notre possible. Amen. Nous prendrons maintenant le recueil, le psautier français. Et dans ce recueil, nous prendrons le chant du psaume 100b. Et nous chanterons les quatre strophes de ce psaume. Chantez à pleine voix, chantez.
des places. Écoutons la volonté de Dieu à notre égard, pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous restons à nos places pour chanter le répond « Parle, parle Seigneur ». Ensemble. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves. Tu nous pardonnes, et il semble que cela nous importe si peu. Tu nous appelles à la liberté, et nous en profitons bien souvent pour nous déchirer, pour nous détruire les uns les autres. Éternel, nous sommes souvent devant les autres secs et pour la plupart du temps insensibles. D'une certaine façon, nous nous habituons au mal et au malheur, où nous sommes paralysés par notre indifférence. Nous te le demandons. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Par ton esprit, rends-nous humains et disponibles au visage de l'autre. Creuse en nous le désir, la faim et la soif de l'attente. Et qu'il nous soit donné de nous mettre en route dans la joie et l'espérance de ta présence. Aide-nous à saisir ton pardon, à vivre cette libération que tu nous offres sans condition. Accorde-nous de vivre de ta joie, de ton espérance et de ton amour, avec nos sœurs et nos frères, mais aussi pour eux. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. En restant à nos places, nous prenons le répond « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix ».
accueillir le pardon que Dieu nous donne. Je vous invite à vous lever. Dieu est amour, il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Confessons maintenant notre foi avec un texte du pasteur Pierre Fatt. Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Je voudrais le croire, mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience dès son enfance que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je crois l'amour plus fort que la mort. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Dans le premier testament, au livre de la Genèse, au chapitre 18, nous lirons les versets 1 à 15. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré.
alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente jusqu'à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le numéro 289. 289, et nous chanterons les trois strophes de ce cantique. Je vous invite à vous lever. Jésus, bien suprême.
Prenez place. Amis, sœurs et frères, rien n'est étonnant aux yeux de Dieu. Ce passage du livre de la Genèse nous raconte l'histoire d'un homme, Abraham, en relation avec son Dieu. Et ce Dieu pourrait bien se nommer le Dieu des choses impossibles. Dieu rend visite à Abraham dans cette oasis appelée les chênes de Mamré, qui reste à jamais le lieu mythique de l'hospitalité, de la même façon qu'Abraham reste la figure exemplaire de l'homme de foi, légendaire par son obéissance sans faille et par son accueil généreux, proche de la prodigalité. Où se situe Mamré ou Mambré? Cet endroit se situe à 3 kilomètres au nord d'Hébron, dans la montagne de Judée. Nous sommes au cœur de ce qui deviendra Israël, là où Abraham établira sa résidence et où Isaac et Jacob s'établiront aussi. À la mort de Sarah, Abraham y achètera la grotte de Macpéla pour lui faire une sépulture. Lui-même y sera par la suite enterré, ainsi que son fils Isaac, puis son petit-fils Jacob. Aujourd'hui encore, on fait référence au tombeau des patriarches dans cette région d'Hébron. Ce chapitre 18 de la Genèse raconte comment Abraham accueille 3 étrangers sous sa tente. L'histoire se déroule en 2 temps. Tout d'abord, une scène qui raconte cet accueil sous le chêne, puis une conversation qui a lieu près de la tente. La première scène se passe au moment le plus chaud de la journée, autour de midi. Abraham est assis à l'entrée de sa tente et dès le premier verset, le lecteur est mis immédiatement dans la confidence. L'Éternel apparaît à Abraham, mais Abraham ne l'a pas encore vu. Ce qu'il voit en levant les yeux, ce sont 3 personnages. Ces personnages, d'ailleurs, posent un problème de traduction. Dans certaines versions, on trouve le mot « homme ». Dans d'autres, celui d'ange ou de messager divin. Mais le mot en hébreu désigne bien des hommes. Nous sommes donc devant une représentation de Dieu qui apparaît face à Abraham sous la forme de 3 hommes. En tout cas, Abraham interprète dans la présence de ces 3 hommes Dieu qui lui rend visite. Mais ce n'est pas aussi simple de le dire comme ça, parce que le récit passe sans cesse du singulier au pluriel, laissant planer l'ambiguïté. Et que fait-il Abraham à cette heure aussi chaude de la journée? Comme le texte ne nous renseigne pas, on peut imaginer qu'il est dans un moment méditatif avec Dieu, pourquoi pas? Peut-être est-il en train de penser à son avenir, rempli de promesses, mais qui tarde à voir le jour. Au milieu de sa réflexion, Abraham reçoit la visite de ses 3 inconnus et il lâche son moment d'intimité pour se consacrer exclusivement à l'accueil de ces hommes. Il se laisse déranger dans son moment personnel pour se tourner vers ceux qui arrivent sous sa tente. Parce qu'il sait bien que dans le désert, recevoir ou non quelqu'un chez lui à l'improviste, c'est une question de vie ou de mort. Le désert est brûlant, il faut impérativement faire attention aux besoins élémentaires de l'autre, comme la faim et la soif. Et Abraham n'est pas plus nanti que ceux qui lui rendent visite. Il vit sous la tente, qui est un espace à la fois protégé et ouvert à tous les vents. Au fond, dans cette histoire, c'est la rencontre de 2 mondes vulnérables, chacun à leur manière. Les hommes, parce qu'ils arrivent du désert et qu'ils ont besoin de se restaurer,
et Abraham parce qu'il vit sous une tente, signe qu'il n'est pas quelqu'un d'installé, mais toujours en errance. Abraham exerce ici toutes les règles de l'hospitalité sémitique relayées jusqu'à aujourd'hui par les Bédouins. Et nous sommes rendus sensibles à l'empressement d'Abraham d'accueillir au mieux ses visiteurs. Lui qui est vieux, le voici en train de courir vers eux pour se prosterner. Puis il se dépêche d'aller dire à Sarah, sa femme, de confectionner des gâteaux ou des galettes, tandis qu'il se précipite à son troupeau pour prendre un veau tendre et bon pour le donner à son serviteur qui s'active pour le préparer. Il donne encore du lait et du caillé, puis ils discutent ensemble le veau préparé. Et cette scène se termine par le repas. Les positions des personnages de ce récit sont inversées. Au début, Abraham était assis tranquillement à l'entrée de sa tente, face à des visiteurs debout non loin de lui. À la fin, Abraham est debout sous le chêne auprès de ses hôtes, assis en train de déjeuner. Ce qui a provoqué cette transformation, ce sont deux paroles. Tout d'abord, celle prononcée par Abraham. « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. » Ce qui laisse supposer qu'Abraham a peut-être reconnu la présence de Dieu. Puis la présence des visiteurs, par leur réponse, fais comme tu l'as dit, activant ainsi le processus d'hospitalité. Mais en fait, rien n'indique clairement qu'Abraham ait reconnu son ou ses visiteurs. La seconde scène est tout aussi ambiguë que la première. Les visiteurs posent la question de savoir où est Sarah, sa femme, dont ils connaissent le nom, mais comment le savent-ils ? Mystère. Sarah est là, derrière la tente, et ne perd aucune miette, si j'ose dire, de la conversation. L'un des visiteurs annonce la naissance d'un fils au foyer d'Abraham et Sarah, ce qui provoque le rire intérieur et sûrement une moue ironique de Sarah, bien placée pour savoir que ce n'est pas possible. Mais ce visiteur n'ignore rien des pensées secrètes de Sarah. Et en quelque sorte, il se dévoile à Abraham par cette phrase « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Malgré son rire rempli de scepticisme et sa difficulté à le cacher, Sarah sera tout de même exaucée. Et la promesse de Dieu tenue. L'histoire humaine et spirituelle entre Dieu et Israël est en route. Dans notre monde si troublé actuellement par la distanciation sociale obligée, qu'est-ce que ce récit peut nous apporter ? L'hospitalité est un sujet délicat. Chez certaines personnes, c'est quelque chose de simple, d'évident, d'inné. Chez d'autres, au contraire, c'est quelque chose d'impossible. Nous sommes d'accord sur le principe d'accueillir, d'offrir l'hospitalité à l'étranger, quel qu'il soit. Mais très vite, nous nous heurtons à des limites tout à fait légitimes qui font partie d'un certain bon sens et même d'une clairvoyance. Je ne voudrais pas m'étendre sur la vaste question de l'accueil de l'étranger ou celle trop contemporaine des migrants, qui est un sujet sensible, épidermique même, et dans notre Église, c'est une question qui reste étudiée, pour laquelle des réponses temporaires sont trouvées, mais qui nécessitent une constante adaptation face à une actualité qui nous déborde de tous côtés. Et dans la Bible, la question de l'accueil de l'étranger reste constante et récurrente. Le peuple d'Israël est sans cesse renvoyé à se souvenir ou à ne pas oublier qu'il a vécu sur une terre étrangère et qu'il est nomade et toujours errant. Je m'en tiendrai donc à cette notion d'hospitalité prometteuse décrite dans ce récit de la Genèse.
Quand les trois hommes s'arrêtent sous sa tente, Abraham ne les refoule pas. Il se laisse déranger dans la quiétude de sa propre vie par cette arrivée à l'improviste. Et il prend cette visite comme un signe de la présence de Dieu, même s'il la devine plus qu'il ne la reconnaît. En accueillant ses visiteurs, il fait entrer un peu d'éternité dans sa vie et dans celle de Sarah, sa femme. Et c'est tout un impossible qui rentre chez lui. Grâce à son hospitalité empressée et généreuse, il reçoit la promesse d'une fécondité et celle d'une famille, là où l'âge rendait risible le simple fait d'y penser. Tout le texte est construit sur l'ambiguïté entre les trois hommes et Dieu. D'ailleurs, Abraham demande à l'un d'eux de ne pas passer loin de son serviteur. Que veut-il dire ? Peut-être que ne pas accueillir les autres hommes comme des frères, ne pas ouvrir sa maison et son cœur, c'est passer à côté de ce que Dieu a à nous donner, une vie spirituelle construite sur des relations solidaires et aimantes. Mais, si c'est facile à dire, ce n'est pas facile à vivre. C'est difficile d'accueillir, de pratiquer cette hospitalité dont nous parlons. Parce que justement, l'hospitalité contient cette part d'imprévisibilité qui nous prend au dépourvu. Et nos sociétés, de plus en plus calfeutrées par la méfiance, voire verrouillées par le discours sécuritaire ou par les digicodes, laissent de moins en moins de place à la surprise ou à la spontanéité. Nous sommes alors soumis à cette tension. D'une part, il faut faire l'impossible pour accueillir l'autre. C'est une question vitale ou même morale. Mais en même temps, c'est impossible de l'accueillir vraiment parce qu'on touche au mystère de chacun, parce qu'il faut partager ce qu'on a, même si on a peu. Et parfois, c'est plus facile de partager si on a peu que si on a beaucoup. Et surtout, c'est livrer quelque chose de soi-même. C'est dévoiler sa propre intimité. Et pourtant, dans nos déserts de sable comme de béton, où les visites imprévues se font de plus en plus rares, si l'on ne fait pas preuve d'hospitalité et de disponibilité pour celui ou celle qui se présente, alors le désert sera encore plus immense et notre sentiment de solitude décuplé. Abraham est sauvé du désert, mais aussi de la stérilité, par l'accueil de trois visiteurs inconnus, mais qui disent quelque chose de la présence de Dieu. Par l'étranger et son étrangeté, Abraham va vers lui-même et découvre que la promesse sur laquelle il a fondé sa foi itinérante va, contre toute attente, se réaliser. Amis, sœurs et frères, je vous propose de recevoir ce récit aujourd'hui comme une vigilance à exercer, en tout cas dans notre vie d'Église, envers les hommes et les femmes, qui sont autant de sœurs et de frères que nous ne choisissons pas, mais qui nous sont donnés dans la foi et par la vie communautaire et fraternelle. Nous formons un corps aux membres nombreux et disparates. Certains ont des fonctionnements à l'opposé des nôtres, ce qui peut nous hérisser le poil ou nous faire porter des jugements préfabriqués ou à l'emporte-pièce, parfois irréversibles. Alors, pour avancer ensemble, rien ne remplace la rencontre, l'accueil de l'autre, par une discussion, un partage, une explication en vérité,
afin de ne pas manquer une hospitalité somme toute prometteuse. C'est une question de confiance, et la confiance, ça se décide, ça se choisit. Mais l'hospitalité aussi, ça se travaille, comme l'indique l'auteur de la lettre aux Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges, autrement dit, une présence de Dieu. Ou alors, il y a encore cette citation de l'auteur du livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Alors, dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le chant du cantique 343. Cantique 343, et nous chanterons les trois strophes de ce cantique. Seigneur, accorde-moi
Prenez place. Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'être là, masqué, distancié. Dans les temps difficiles que nous vivons, c'est important de prendre soin du plus faible, du plus fragile d'entre nous, et également, comme vient nous le rappeler notre pasteur, de faire corps. Alors c'est ce qu'a fait par exemple l'association du cœur avec l'association du conseil presbytéral de cette église en définissant un protocole très précis, très strict pour les répétitions du cœur. Et nous avons été inspirés puisque le président de l'association du cœur vient de nous annoncer qu'il y a déjà un cas contact dans le cœur. Donc fort heureusement tout le monde était bien distancié et masqué. Les activités du cœur sont donc de la semaine prochaine sont reportées, mais c'est nous rappeler vraiment qu'il faut protéger le plus faible et faire très attention. J'en profite pour remercier Madame Maudelin, qui passe beaucoup de temps à nettoyer, désinfecter ce temple et qui vous permet de venir ici en toute sécurité, et son mari également, notre sacristain bénévole Gérard, qui veille au grain, et c'est pas toujours drôle, mais voilà, il faut qu'on respecte ces règles, parce qu'encore une fois, c'est protéger les plus faibles d'entre nous. Également, merci aujourd'hui à Agnès pour sa prédication sur l'hospitalité, qui nous rappelle aussi l'importance de savoir cet accueil, le comprendre en toute intimité aussi pour nous. Également, merci à Aurélien pour ses morceaux très inspirants. Béatrice, la consœur d'Agnès, n'est pas là aujourd'hui, c'était prévu. Elle accompagne une filleule qu'elle est en train de baptiser aujourd'hui. Et elle nous prie de vous faire part d'une grande tristesse. Elle a perdu sa maman, Marie-Christine Mazir, âgée de 83 ans. Le Seigneur est auprès d'elle. Elle ne manquera de rien à présent. Nous nous sommes rencontrés la semaine... le conseil presbytéral s'est rencontré hier, très longuement. Vous verrez dans la feuille rose que vous allez recevoir, alors j'espère que vous allez la recevoir et qu'on ne sera pas reconfinés, puisque la dernière feuille rose que nous avons envoyée ou que l'équipe précédente a envoyée, c'était au moment du reconfinement généralisé. Donc allez, vous verrez le compte-rendu de ces activités. Et également, nous ferons, parce que c'est important de communiquer, nous ferons un compte-rendu de ce conseil presbytéral que nous mettrons systématiquement à disposition à la fin du temple. Il n'est pas encore prêt, mais dès qu'il sortira, nous vous le ferons savoir. En termes d'activité d'annonce cette semaine, mardi, la reprise de l'étude biblique qui ne se fera donc pas avec, malheureusement avec Béatrice, mais Agnès a proposé de la reprendre. Donc mardi après-midi, partage biblique à la maison presbytérale. Mercredi, Gustave Dodard reprend les activités des jeunes, sans repas, mais les activités des jeunes reprennent au temple pour avoir de l'espace. Jeudi, la pause spirituelle également, jeudi midi. Et enfin, le week-end prochain, si le préfet de police ne nous les annule pas, nous ouvrons nos portes en pleine hospitalité sur les journées du patrimoine. Un programme extrêmement riche, avec nos conférenciers, Laurence Tardy, Laurent Gagnebin, qui nous expliquera tous les deux l'oratoire dans l'histoire, l'histoire du patrimoine, mais également l'histoire du protestantisme libéral. Et le pasteur et théologien Laurent Gagnebin nous fera le plaisir de nous dire qu'est-ce qu'un protestant libéral, ou du moins de nous faire réfléchir sur le sujet. Également, les organistes ont prévu 1h30 samedi après-midi d'explication et de démonstration des grandes orgues de l'oratoire du Louvre. Et dimanche, grande journée pour les enfants, culte à 10h30, grande journée pour les enfants avec les scouts, avec l'éducation biblique, et tous les enfants que vous connaissez s'y sont bienvenus. Les moniteurs de l'école biblique, notamment Caroline, a préparé un parcours. Nous espérons ici également d'avoir retrouvé un vétéran des scouts qui sera auprès des enfants
pour expliquer le rôle des scouts pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde ne le connaît pas. Vous pouvez regarder notre site. François Lerche avait fait à l'époque un très beau texte avec aussi Philippe Bronstein sur le rôle des scouts à l'Oratoire du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à venir nombreux si nous pouvons. Dernier petit point, vous avez vu les fleurs. C'est grâce à un mariage que nous avons eu lieu hier. Florian et Agnès ? Lydie. Lydie, voilà. Donc ces fleurs sont les fleurs laissées par les mariés hier soir, hier après-midi. Dernier point, Juliette, résultat d'un vote du Conseil presbytéral hier et d'un long travail cet été, va nous présenter une innovation pour l'offrande. Juliette est notre nouvelle trésorière. Merci Juliette. Chers frères et sœurs, bonjour. L'Église protestante unie de France, le service de communication en particulier, rue Clichy, a expérimenté un panier connecté à propos du moment de l'offrande. Il s'agit de la même chose que les aumônières, sauf que cette fois-ci, vous utilisez votre carte bancaire et seulement les cartes bancaires qui utilisent le paiement connecté sans code. Donc, le Conseil presbytéral a décidé de participer à cette expérimentation. Donc, ce n'est pas nous qui avons contact directement avec le fournisseur, c'est donc quelque chose qui est mis à disposition de toutes les églises. Ce panier nous coûte 12 euros TTC par mois pour en disposer. Et donc les dons que vous faites ici ne sont pas soumis à déduction fiscale ou à un récépissé fiscal. C'est vraiment la collecte, mais sous une autre forme, un autre mode de paiement. Donc nous en disposons d'un aujourd'hui. Et avec 4 propositions de montants, ce sont des petites pastilles et qui affichent les montants. Donc pour l'instant, sont programmés 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Si vous voulez donner davantage, vous pouvez combiner et additionner deux passages de paiement. Et le Conseil presbytéral, hier, a décidé en fait, de programmer un autre ordre de montant qui seront 5, 10, 15 et 20 euros. Voilà, donc c'est à votre disposition. Pendant le temps d'offrande, vous faites un petit signe et je vous passe le petit panier. Il s'agit d'appuyer sur le montant, d'attendre qu'on vous demande de passer votre carte sur le lecteur. Votre carte s'enregistre et vous avez un petit message de remerciement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, Jean-Luc Buisson me rappelle, j'ai fait 2 oublis sur les journées du patrimoine. Enfin, il me rappelle un oubli, mais du coup, je m'aperçois que j'en ai fait un deuxième. Les programmes sont à la sortie, si vous voulez les avoir. Également, il y aura le dimanche un récital de Sarah Kim. Donc, le samedi après-midi, c'est Alexandre et Aurélien qui nous font une démonstration. Et le dimanche, un récital avec Sarah Kim. Et enfin, si vous voulez être bénévole pour accueillir les visiteurs, vous êtes vraiment les bienvenus également. À ce moment-là, il faut se signaler à André Ducrot, mon prédécesseur, à Laurence Tardy ou à Magali, qui est en charge de l'organisation des JEP. Voilà. Je laisse Agnès annoncer l'offrande. Alors, c'est le moment de l'offrande. L'offrande qui sera recueillie parmi vous sera destinée à la vie de l'Église. Que chacun donne avec joie, sans regret ni contrainte.
Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je voudrais rappeler que le dernier morceau d'orgue fait partie intégrante du culte. C'est ce que nous appelons le morceau d'envoi. Mais chacun peut partir quand il le souhaite, en laissant les cantiques à sa place. Merci. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais aussi des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Nous te prions les uns pour les autres. Merci pour ton amour qui nous a appelés avant même que nous le sachions et qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Nous te prions de nous soutenir dans nos différents engagements, d'ouvrir nos cœurs à la rencontre, à l'hospitalité, à l'accueil de l'autre, par le discernement des paroles à dire et des actes à entreprendre. Apprends-nous à écouter et à connaître le nom de celui ou de celle que tu mets sur notre route. Ses paroles, ses témoignages, les récits de sa vie ouvriront un espace au dialogue et à une parole qui nous fera te reconnaître. Apprends-nous inlassablement l'amour de l'autre afin que ta parole résonne et donne naissance à un échange véritable, gratuit et sans crainte, mais en même temps risqué et fécond, une hospitalité qui prépare la paix. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, quelle qu'en soit la raison. Nous te prions pour celles et ceux qui sont dans le deuil d'un être cher. Soutiens-les. Nous te prions pour les personnes qui ont demandé ta bénédiction sur leur couple, mais aussi pour celles qui traversent une période délicate de remise en question, d'incertitude, de doute, de solitude, d'appréhension du futur. Nous te présentons celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te prions pour la paix dans notre monde. Rends-nous persévérants là où nous sommes, à travailler nous aussi pour la paix. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur et mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Bénis, ô Dieu, nos routes.